Bonjour la team 2.0 et bienvenue pour le dernier épisode de cette survie Minecraft. Je rigole, c'était une petite blague, j'espère que je vous ai bien eu. Bref, aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute vu au titre, je vais devoir détruire une montagne entière à cause de TikTok. En fait, je m'explique, dans le prochain épisode, eh bien je vais construire une maison grâce à des hacks TikTok. Mais le problème, c'est que les hacks TikTok que je vais tester sont un petit peu, bizarres. Donc du coup, il va falloir que je construise un laboratoire tout simplement pour tester les hacks TikTok. Et puis on va pas se le cacher, ça va devenir également ma maison. Bon. Problème, il va me falloir énormément de TNT et il va me falloir un bitcoin pour pouvoir, eh bien, miner beaucoup plus vite. Bref, qui dit bitcoin dit qu'il va falloir invoquer des wizards, ça va être un bonheur cet épisode. Il va falloir tuer du creeper en tabarnak, ça va être bien. Bref les amis, j'ai envie de vous dire, on récupère les petites pommettes qui sont ici et on va se crafter quelques petites pommes. Voilà, nickel, paraît-il que c'est bon pour la santé. Et ce qui est bon pour la santé, eh bien le Johnny, il s'en fout. Non, je rigole. Si c'est bon pour la santé, hein, on va pas faire les fous, on va en manger. Bref, j'ai envie de vous dire, mes amis, c'est parti, on va la faire à ma creeper. Alors regardez ça, on a énormément de creeper et j'ai énormément de poudre de creeper sur moi, ce qui est une très très bonne nouvelle. Allez, je termine juste de me tuer ça, gentiment mais sûrement. Et après, on va descendre pour commencer, eh bien, les choses sérieuses. Parce que la montagne, elle va pas se détruire toute seule, mon ami. Bien sûr que non. S'en fout, ceux-là. Et après, tu vois, moi, j'aime bien me lancer des défis comme ça. Qui, sur Minecraft, mon ami, détruit des montagnes à la main? Qui a déjà détruit une montagne à la main sur Minecraft? Personne n'est assez fou pour détruire une montagne à la main, mis à part Johnny. Bien sûr que oui. Allez, bref, on a suffisamment récupéré le gunpowder, on a suffisamment XP, on va faire attention parce que sinon on va se casser les pattes, et on descend, mon ami. Oh! Utiliser... Wouah! Pop-up! J'ai failli mourir! Les élytres, elles s'étaient pas déployées! Elles sont idiotes, ces élytres! Wouhou! C'est tendu, c'est tendu! Bref, mes amis, moi je suis en train de me récupérer un petit peu de canne à sucre. Comme ça, on transforme tout ça en PQ gentiment. Et plus besoin d'aller se battre chez Lidl. Bien sûr que oui, ils sont fous ceux-là. Allez, bref, toi tu meurs. Oh là 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 là, mais regarde ça, ça c'est pas magnifique. Non, je parlais pas de toi, toi t'es moche, ok? Je parlais, eh bien, tout simplement de la tonne de canne à sucre qu'on a là-bas. Et toi, tu casses pas? Non, tu casses pas. Il voulait casser ma canne à sucre. Personne casse la canne à sucre de Johnny, bien sûr que non. Chose intéressante, on va en garder 23. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, Mietus? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas le poids face à Johnny? Bien sûr que oui, tu sais combien je pèse, moi? Ils sont idiots. Regarde-moi ça, ben non, tu fais pas le poids face à Johnny. Oh là 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 là. Vous me fatiguez, les gars, vous me fatiguez, bien sûr. Allez, ça s'en va. Après avoir récupéré toute cette canne à sucre, j'ai envie de vous dire, eh bien, on va déjà replanter une bonne partie, parce que c'est vrai que j'ai pas encore de canne à sucre automatisée sur cette survie, mais ça ne saurait tarder. Mais bref, pour le moment, il va falloir tout simplement planter un petit peu de canne à sucre, histoire de pouvoir en récupérer plus tard. Bien sûr, de temps en temps, on fait de l'écologie sur cette survie. Toi, par contre, toi, je vais pas être écologique avec toi, mon pote. Je vais te couper en deux. Voilà, nickel. Ils sont fous, ceux-là, bien sûr. Enfin, alors, déjà, première chose, j'ai besoin de canne à sucre, tout simplement, pour faire, eh bien, des fusées. Voilà, nickel. Hop, on va se faire un petit stack de fusées, histoire de pouvoir repartir, eh bien, à l'autre bout de la terre, chercher du sable. Donc ça, c'est déjà fait. Voilà, nickel. La dernière chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est deux stacks de TNT, je pense que ça devrait être pas mal. Si jamais on en a pas assez, eh bien écoutez, j'en referai. D'ailleurs, chose importante que j'ai encore oublié de faire, c'est tout simplement une pelle. Oui, on peut avoir besoin d'une pelle, parce que j'ai pas de pelle, on va pas pelleter à la main. Non, j'ai pas que ça à faire. Même si on est en confinement, non, je vais pas miner 5 ou 6 stacks, ou 15 ou 20 stacks de sable à la main. Non, jamais de la vie. Jamais. Non, j'ai pas que ça à faire. Et j'ai encore oublié mon lapis. Fabuleux, vous avez le droit de me dire que je suis un imbécile en commentaire. Bien sûr, c'est tout ce que je mérite, hein, mais ça, c'est la réalité des choses. C'est triste, mais c'est la réalité. Toi, petite montagne, d'ici quelques minutes, tu n'existeras plus. Non, mon ami. Et toi aussi, d'ailleurs. Mais toi, il va pas falloir attendre quelques minutes. Et je pense que pour cet objectif de dingue, mes amis, vous aviez bien le droit de mettre un petit like à cet épisode et de vous abonner, parce que bon, la montagne, elle va pas se détruire toute seule. Ouais. Eh bah écoute, efficacité 4, eh bah c'est parfait. Hop, on met les élytres.
et on se carapate les pattes d'ici, bien sûr. Par contre, on va quand même récupérer une petite shulker. Et maintenant, mes amis, vers l'infini et l'au-delà. Mais pas trop vers l'au-delà, parce que bon, paraît-il... que tu es mort, en fait, si tu vas trop vers l'au-delà, tout simplement. Petit désert, viens voir ici, bien sûr, une petite pyramide, ça fait plaisir si on en trouve une. Eh ben, nous voilà arrivés dans un magnifique petit désert. Et écoutez, eh ben, on a découvert en même temps une petite pyramide, me semble-t-il. Et il me semble, par contre, que celle-là, on l'a déjà explorée. Mais bref, écoutez, c'est pas grave. Appelez-moi Johnny, la pelleteuse, mon ami, bien sûr. Parce que là, on va pelleter. Là, ça va pelleter en tabarnak, mon ami. Tu ne vas plus jamais reconnaître cet endroit, eh bien, une fois que j'aurai terminé de pelleter. Et on se dirige gentiment, mais sûrement, eh bien, tout simplement, vers la pyramide, histoire de voir si on l'a fouillée ou pas. D'ailleurs, en commentaire, quelqu'un m'a dit que si je récupérais cette pierre-là et que je la décraftais, je pouvais obtenir du sable. Non, c'est faux. Tu m'as menti. Tu es banni de ma chaîne. Non, je rigole, c'est pas grave. Mais de temps en temps, comme ça, on me donne des astuces et je les teste. Mais celle-ci... elle était foireuse, par contre. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? Hola! Hola, que tal? Comment est-ce? Dans la casa? Personne? Tant mieux, s'il y a personne, mon ami. Ça fait plaisir. Hop, on descend ici. Voilà! Hop, on casse ça. On récupère la TNT. Ça fait 9 TNT en plus. Ça fait toujours plaisir. Pac, pac. Nickel. Les coffres. Diamant. Ok, gunpowder. On prend. Ça, on prend pas parce que ça sent le caca. Oh, pomme de notch! Oh yeah! Ça, c'est bon, ça! Ça, ça fait sourire à Johnny, ça! On n'est pas venu pour rien, pour une fois! Bon, quoique, presque, hein! Mais, une pomme de notch! C'est pas rien, une pomme de notch! C'est pas rien! John, la pelleteuse! Oui, c'est bien, lui! Ouais, je retombe un petit peu en enfance en pelletant! Mais bon, écoutez, ça arrive de temps en temps, même au meilleur! Puis on va pas se le cacher, est-ce que je pourrais pas faire The Voice? Si, bien sûr! Bien sûr, on va faire The Voice. Bon, on va être éliminé au premier tour, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Bon, alors, on en est où? On est presque full inventaire. Écoutez, on a suffisamment détruit l'environnement ici. On va partir un peu plus loin. Et puis peut-être trouver une petite deuxième pyramide. Ça ferait plaisir quand même. Petite pyramide. Attends. Regarde pour trouver des pyramides ce qu'on fait, nous, ici. On met les chunks à 32. Voilà, nickel. Ça, c'est la petite pyramide à Johnny. Voilà, nickel, ça fait plaisir. Oh, il y a quelqu'un qui a spawné. Est-ce que vous l'avez entendu spawner, ce petit imbécile? Vite, vite. Voilà, on casse ça. Eh oui, ben oui, je te voyais venir. Je te voyais venir et tout déglinguer. Bon, du gold. Bon, c'est bien, ça fait plaisir. On est riche, mais quand même. On veut autre chose, des beaux petits livres. Quelque chose. Non, ça, ça pue. Bon, ça nous fait un petit peu de gunpowder et un petit livre. Oh, Infinity et Fire Protection. Bon, Fire Protection, ça pue clairement du cul, mais Infinity, franchement, c'est sympa. Bon, je l'ai déjà, mais quand même, tu vois, on va pas cracher dans la soupe. Déjà, ça se fait pas, parce que c'est dégueulasse. Et petit 2, dans la vie, il faut prendre ce qu'on t'offre. Du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu apprendre le savoir-vivre avec John. Ça fait plaisir, hein. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Mais, on perd nos objectifs, là, un peu. Là, vraiment, là, va falloir un petit peu se bouger le foufouillon. On va remonter, et on va terminer de pelleter, et on va rentrer. Parce que, mine de rien, faut encore qu'on fasse péter la montagne, et surtout qu'on aille chercher un Wither. Donc, bon, la vidéo du Johnny, elle est pas prête de se terminer. Bon, vous, ça vous fait plaisir, mais moi, quand je dois faire le montage, quand je dois monter 3 heures de vidéo... Ah, ça picote! Je vois flou un petit peu, tu vois, même si j'ai pas trop de problèmes de vision, je vois flou quand même, tu vois. Eh ben, regardez, les amis, dernier stack de sable, et on peut rentrer à la casa, ça, ça fait plaisir! Ouais! Allez, direction la maison, on rentre, et on se prépare pour aller affronter un Wither, mon ami, bien sûr! Oh, tabarnak, j'ai atterri dans la lave! Ça pique! Enfin, ça pique pas, ça brûle! Voilà, nickel! Ah bah oui, bravo! Bravo, John, d'avoir des chaussures Frostwalker. Ah oui, bah là, c'est moins bien. Allez, hop, est-ce que je peux faire ça? Voilà, nickel. On s'est éteint la merguez, c'est mieux quand même. Nickel, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va manger. Voilà, c'est une bonne chose de manger. Parce que si vous ne mangez pas, bah, je tiens à vous le dire, vous mourrez. Ça, c'est quand même la vérité de la palisse, mon ami. Et on va crafter de la TNT. Alors, qu'est-ce que ça donne, niveau TNT? Ça donne un stack de TNT... Et 2 TNT. Oui, mon ami. Oui. Comme d'habitude, on n'a pas assez de gunpowder. Écoutez. Bref. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais atterrir gentiment ici. Voilà, sans me casser toutes les jambes une par une, ce serait pas mal. Je vais farmer tout ce qu'il faut. Donc, que ce soit, eh bien, le sable ou bien la gunpowder. Et quand j'aurai 4 stacks,
Eh bien, on se retrouve. Et pour vous, ce sera juste un claquement de doigts. Piggy, tu vas bien, Piggy? T'as faim? Oui? Tiens, mon Piggy, tiens, voici un petit peu à manger. Je vais te donner un petit peu à boire aussi, ça fera plaisir. Ah, j'ai cru que j'avais pas à boire pour Piggy. Tiens, mon Piggy, tiens. Voilà, nickel, ça c'est un bon Piggy. Oui, parce qu'en fait, dans les derniers épisodes, ici, eh bien, j'ai tout simplement envoyé un cochon. Et le pauvre, j'ai peur qu'il meure de faim. Donc du coup, de temps en temps, on vient le nourrir. Pour ma part, j'ai fait pas mal de off. Vous le voyez ici, j'ai normalement 5 stacks de TNT avec un petit peu de TNT qui traîne à droite à gauche. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va aller dans le Nether pour casser la tête à des Wither squelettes, pour ensuite faire un Wither et ensuite détruire la montagne. Bref, ça fait du travail. Mais écoutez, est-ce qu'on est parti? Oui, totalement. Let's go. Allez hop, nous voici ici. On a un petit jambon d'Erta ici. Mais il est idiot celui-là, mais jambon d'Erta. Tu te calmes, bien sûr. Oh, idiot celui-là. Bon, il a toujours pas compris que c'était Johnny le patron. Alors écoutez, est-ce qu'on ne partirait totalement pas dans le Nether avec des élytres? J'ai envie de vous dire si. Oh, 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 oh. Non. On part pas dans le Nether avec des élytres. On a failli surtout se faire cuire la merguez. Oh ouais. Allez, hop, on remonte. Voilà, nickel. Hein, c'est mieux de remonter par là. J'avais jamais exploré par là, mais écoutez, c'est pas aujourd'hui qu'on va explorer par là. Voilà, on déglingue aussi un petit peu d'Enderman. C'est gratuit. Comme ça, ça nous donne des petits Enderpearls. Ça fait plaisir. Oh ouais, il y a du monde ici. Je ferais bien une petite ferme Enderman, moi. Petit. Ah non, hein, tu me prends pas par derrière comme la dernière fois, idiot. Bah, viens ici. Il se prend pour un bûcher. Non, t'es pas un bûcher, il est idiot celui-là. Bon, par contre, on va pas se cacher. Mon épée n'est pas pratique du tout pour farmer l'Enderman. Par contre, on a déjà 14 perles. Donc, c'est pas trop mal de travers, comme dirait mon ancien. Bref, allez, hop, on part. Et écoutez, bah, forteresse, ça c'est bon, ça. Bien sûr. Par contre, faudrait pas louper l'atterrissage, mon Johnny. Non. Oh, oh, j'ai bouffé la forteresse en plein dans les dents, mon ami. Je dois t'avouer que là, le dentiste n'était pas loin. Hein. Bref, qui, petit. Ouh. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais c'est du caca, ça. Je suis déjà venu ici, j'en suis sûr. Ah non, peut-être pas. Oh, des sels. Alors ça, j'ai besoin de sels, mon ami, parce que j'en ai plus. Et là, c'est une très bonne nouvelle d'en avoir trouvé. Par contre, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce beans, là? Alors, écoutez, les amis, je sais pas vraiment ce qui se passe, mais pour le moment, j'ai l'impression que la version-là de Minecraft bug. Et pour une fois, c'est pas en bien, parce que j'ai pas trouvé encore de Wither squelette. C'est la deuxième forteresse que je fais, et je sais pas s'ils ont changé les spawns de Wither ou quoi que ce soit, mais c'est très, très étrange. Bref, je vous capte une fois que j'en sais un peu plus sur la chose. En fait, je viens de comprendre ce qui se passe parce que j'ai vu ce qui se passait. En fait, il y a des piglins maintenant qui spawnent dans les forteresses. Et ce qui se passe, tout simplement, c'est que les piglins déglinguent les Wither squelettes. Mes Wither squelettes dont j'ai besoin pour pouvoir me faire un Wither. Oh là 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 là, Minecraft! Mais fallait pas faire ça, ils sont idiots, ceux-là! Qui? Petit, Johnny vous a entendu marcher? Bien sûr que oui, allez, donnez-moi une petite tête. Oh, mais c'est un rassemblement ici, qu'est-ce que c'est? Phil, allez, une petite tête. Donne-moi ta tête, toi, dépêche-toi. C'est pas vrai, ça. Mais non, j'ai pas eu une seule tête. Petit, bien sûr. Mais non, mais c'est pas vrai, ça, je suis maudit, toujours pas de tête, gros. Allez, donne une tête, s'il te plaît, un jour. Oh, ça y est. Oh, on a une tête. Plus que trois. Mon Dieu, plus que deux têtes et ce sera bon. Écoutez, ça je vais faire en off, hein, parce que là ça commence à devenir très très longué pour moi. Bah écoutez, il était temps que le Johnny rentre, hein, parce que là, ça a été très long. Mais écoutez, on est rentré avec 2-3 trucs. On a les têtes de squelettes et on a quelques selles, donc écoutez, ça fait plus ou moins plaisir. Est-ce qu'il me reste encore de la place pour ranger mon bordel? Apparemment oui. Bon alors les amis, j'ai envie de vous dire, on est presque prêts. On va juste aller chasser 2-3 petits porquis, bien sûr. Qui? Piggy, viens ici, malade, va. Bien sûr, donne-moi ta chair. Voilà, nickel, pour que je puisse me nourrir et survivre face à un Wither squelette. Parce que bon, c'est pas rien, un Wither squelette. Bon, en fait, si, vous allez voir que... c'est pas foufou, un Wither. Alors, on a grimpé ici, je me suis fait quelques morceaux de bacon. J'attends juste un squelette. Bah, regardez, ça tombe bien, on a un squelette juste là-bas. Voilà, nickel. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'une flèche. Parce que, bon,
Ça sent le caca. J'ai rangé ma flèche et je peux pas lancer et je peux pas lancer un Wither sans flèche. Bien sûr que non. Allez, hop, ça dégage. Et maintenant, écoutez, mes amis, on va récupérer ça et puis ça et on va lancer un Wither. Non, mais cri-cri. T'es un enfant, mon pote. T'es un enfant de ouf. Laisse-moi faire mes bails, frère. Voilà, nickel. Hop. Et maintenant, on place une tête ici, une deuxième et une troisième. Et c'est parti. Allez, spawn imbécile. Attends, on va déjà se mettre full vie. On va se prendre une petite pomme dorée, histoire de se faire plaisir. Et puis j'ai envie de dire que le combat commence. Oh, mais t'es un enfant, tu picotes. Allez, arrête. Bon, mais je veux jouer avec toi. Oui, oui, tu te calmes, oui, oui, bien sûr. T'es énervé, on a un passif ensemble, bien sûr. Oh la vache. Eh, il picote, mais je le picote aussi, hein. Allez, nickel, c'est parti. Pac. Voilà, viens ici, viens. Allez, descends. Nickel, descends de là. Grande merguez, va, viens. Allez, dépêche-toi, grande merguez. Voilà. Mais il est où? Voilà, allez, Pac. Mais oui, mais tu vas mourir. Bien sûr que oui, t'es où? Arrête de te cacher, de me prendre par derrière, il est idiot celui-là. Voilà, bah écoutez, c'est gagné. On a eu la Nether Star et normalement, j'ai un autre truc. Ah, voilà, j'ai ma rose de Wither et il me reste quand même que 4 cœurs. Bon, écoutez, ça fait plaisir et maintenant, on va crafter le fameux beacon qui va me permettre, eh bien, de miner ma montagne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, je suis perdu, là. Ça, c'est ta faute, ça, si je suis perdu, Jacqueline. Comme d'habitude, elle est idiote, cette Jacqueline. Toujours dans les mauvais coups, Jacqueline, bien sûr. Et toi, rigole pas. Bah oui, bah maintenant, tu pleures. Bah forcément, t'es morte. Qui s'y frotte, s'y pique, hein. Qui joue avec le Johnny meurt, tout simplement. C'est les choses qui arrivent. Bref, eh bien, j'ai envie de dire, c'est cet endroit-là qu'on va creuser. Ouais. Bon, laissez-moi rentrer à la maison, on va se préparer ça gentiment, et après je reviens avec tout ce qu'il faut. Alors du coup, nous voilà de retour à la maison, faut juste que je me crafte dans mes souvenirs un bloc de diamant, il va me falloir un petit peu d'obsidienne, mais ça devrait pas être bien compliqué. Et comment on crafte un beacon du coup? Il faut 3 d'obsidienne, 4 de vitre et une Nether Star. Ok, écoutez, c'est parti. Et là, bon, mes amis, j'ai envie de vous dire, on en fait les choses pour pouvoir faire des expériences TikTok. Ça prend du temps à préparer une vidéo TikTok. Mais bon, écoutez, ne fais pas des vidéos TikTok en survie, qui veut, j'ai envie de te dire. Bien sûr, c'est pour ça que tout le monde fait des vidéos et expériences TikTok tout simplement en créatif. Mais bon, écoutez, ici, nous, on est des vrais. Et pac, voici le premier beacon de cette survie. Hell yeah, ça fait plaisir. Bref, maintenant, on va aller creuser la montagne, mon ami. C'est parti. Alors, pour ceux qui se demandent, un beacon, ça fonctionne, eh bien, tout simplement, comme une pyramide. Et oui, Jamy. Voilà, nickel. Non. 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 Mes blocs de gold. Ils sont fous, ici. Vous cassez pas les blocs du patron. Ils sont idiots. Oh là, mais quelle catastrophe. Regarde ça. Ils ont cassé la source d'eau infinie ici, c'est dégueulasse maintenant. Comment on fait? Je suis obligé de tout re-remplir. Bravo, va remplir une rivière au seau, toi, voilà. Bon, je suis en train de faire ma petite récolte de diamants. Normalement, je dis bien normalement, il doit m'en rester un ou deux stacks quelque part. Et ensuite, on va faire les blocs en diamants. Et là, il y a intérêt à ce que ça fonctionne. Parce que sinon, le Johnny va voir rouge. Là, nickel, on a quelques blocs de diamants du coup. 21 blocs de diamants, ça va suffire à l'initialiser, cet idiot. Ou toujours pas, bah j'espère que oui, sinon on pleure. Et ben voilà, normalement maintenant ça devrait fonctionner. Allez, fonctionne s'il te plaît. Non, pourquoi tu fonctionnes pas? Oh, j'allais dire t'es pas drôle gros, t'es pas drôle. Hop, on va se mettre haste et régénération. Et voilà, fabuleux. Oh ouais, c'est bon ça. Oh ouais, c'est bon, normalement on va miner les gros comme jamais on a miné. Oh ouais, on mine comment en mode créatif? Oh, ça c'est bon ça. Allez, hop, bref, on va poser de la TNT et on va tout faire péter. Bon, eh bien on creuse sacrément bien, j'espère que ça va ressembler à quelque chose. Mais pour le savoir, eh bien il va tout simplement falloir blinder cet endroit. Normalement, je vais faire 2 lignes comme celle-ci, côte à côte, et après, eh bien on aura normalement un beau petit laboratoire, ça c'est certain. Bon, alors, pour une première explosion, je pense que ce que j'ai mis là sera amplement suffisant. Écoutez, mes amis, on va profiter du spectacle. Allez, explose, mon pote. Holy shit! Oh, ça, c'est du beau laboratoire, ça, mon ami. Ça, c'est du beau laboratoire qu'on a construit.
J'ai même pas besoin de plus de TNT en réalité. Oh ouais, on va se mettre là. Et ici, on aura tout un parterre de laboratoire avec pas mal de choses. Je pense franchement qu'on a fait là une belle chose. Franchement, c'est plutôt sympa ce qu'on a fait ici. Il reste plus qu'à aménager ça. Mais ça, je ferai ça pour ma part en off. Bref, les amis, pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. C'est le cas, déglinguez la barre de like. N'oubliez pas de vous abonner. C'était John. Peace.